En fait, l'archéologie, c'est comme si on ouvrait une porte ou une fenêtre, en fait, sur le passé. Donc, l'archéologie, en fait, c'est de vérifier souvent ce que les historiens ont écrit pour vérifier dans le sol, pour vérifier l'occupation dans le sol, puis comment les gens vivaient. Non, c'est pas du sol, ça. Laisse faire. Rien d'intéressant. Pas rien d'intéressant. Ça sent bien. Je le sens. Donc, dans le contexte des fouilles de Drummondville, ce qui va être important d'abord, c'est de cibler. Parce que comme on est en milieu urbain, il y a beaucoup d'usagers. Hein? Donc ça amène un problème à l'archéologie. C'est pas comme si on était au milieu du bois où on est libre un peu d'aller et de regarder et faire de la prospection où on veut. Donc on a vraiment ciblé un endroit particulier selon les travaux demandés par la ville de Drummondville. On va d'abord commencer par le géoradar, en fait. Le géoradar, c'est des ondes qu'on envoie dans le sol, ce qui va nous permettre de voir où il y a des structures. Donc, les structures répondent parce que les ondes rebondissent. Donc, on va être capable de voir un peu où sont les choses importantes dans cet endroit-là. Quand il y a des hyperboles de même, là, comme ici, là, ça veut dire qu'il y a de quoi dans le sol qui réfléchit les ondes radar. On ne sait pas c'est quoi. Ça peut être juste une nature du sol est différente, ça peut être une roche, ça peut être n'importe. On n'a aucune idée c'est quoi. C'est sûr qu'avec les cartes des premiers bâtiments qu'on retrouve à cet endroit-là, moi je m'attends à trouver des murs, probablement. Donc mortier, pierre taillée pour faire certains murs. Je m'attends à trouver des dépotoirs, parce que les arrière-cours sont souvent des dépotoirs. Donc j'espère pouvoir trouver des témoins de tout ça. Là, en fait, hier, quand on a commencé à fouiller ici, on s'est rapidement aperçu, là, quand j'ai commencé à fouiller, qu'il y avait comme une espèce de croûte, là, je vais vous montrer, une espèce de galette, là, qu'on retrouve ici, là, qui lève en galette comme ça, là. Donc ça, ici. Donc, on est vraiment... que moi, je suis pas mal sûre que ça, c'est en fait la place d'armes, là, c'est la place de manœuvre. C'est-à-dire que c'est un... C'est vraiment une couche qui est extrêmement durcie par le fait que les gens ont passé souvent. Donc, ça a compacté une couche. Il y a aussi la présence d'un peu un résidu huileux aussi. Souvent, bien, pour pas qu'il y ait de poussière qui monte, on arrosait ou on mettait de l'huile là, pour quand on faisait des manœuvres pour pas que la poussière monte. Donc, ça, c'était quelque chose qui se passait assez souvent. Puis, en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que dans cette couche-là, hier, on a trouvé un encrier. Donc, on a un petit encrier là, que je vais vous montrer, que je vais pouvoir te montrer, là, qui a été vraiment trouvé dans cette couche-là. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a retrouvé là-dedans quand même des choses intéressantes qui correspondent là, à la période de la place d'armes, c'est-à-dire un petit encrier. Qui est typique là, de ces périodes-là, un petit encrier d'école ou en tout cas utilisé là, quand on écrivait à l'encre avec des plumes. Donc, on a j'ai malheureusement juste le dessus. Je n'ai pas le reste, donc peut-être qu'on va trouver le reste, mais en tout cas, on a trouvé une partie du petit encrier. L'as-tu d'ici? Ah, c'est là. Ah oui. Ouais. C'est du grès en plus. Là. Ce qui est intéressant, là, c'est peut-être du charbon. L'incendie, c'est 18-23. 26. On va aller par là. Moi, je vais finir le mien. OK. Finir ma couche, puis je vais venir t'aider ici aussi. Là, parce que pour le moment, c'est le seul endroit où on trouve du mortier puis de la roche. Moi, j'ai des petites brides de mortier, ouais. Mais j'ai pas de roche. OK.
Donc, tu sais, c'est toute de la démolition partout, là. OK. Bon. C'est bon. Ouais, je vais aller chercher l'aluminium. En fait, le plus grand défi de ce projet-là, c'était de trouver un contexte archéologique. OK? Parce que comme ça a été hyper perturbé, dans le sens où il y a eu beaucoup de construction, il y a eu un feu, il y a eu de la construction, de la démolition, il y a eu des stationnements de construits, tu sais, c'est des glissades d'eau, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées ici. Puis le problème, c'est de trouver un contexte archéologique ancien là-dedans. C'est-à-dire l'endroit où il peut encore avoir une petite information de la période du 19e, 18e, 17e et avant. Ouais, il y a quand même beaucoup de roches là-dedans. De l'anthracite, un combustible. La céramique, du bois, du vieux verre, une petite bouteille. Ici, on a un sou de 1941. Ça avait l'air d'un manche de couteau. Ouais, avec ça. Avec ça, c'est que, bon, d'abord, il faut dire que c'est Barry Hurst qui nous l'a donné. Donc, en fait, c'est ça. On s'est fait donner cette carte-là qui a été faite par Barry Hurst en 2019, où, contrairement à ce que, ben, ce qui apporte des informations additionnelles à ce qu'on avait déjà à l'étude de potentiel, en fait, ce qu'on croyait être le terrain de manœuvre très, la couche de sol très compacte, là, très huileuse aussi, c'est probablement ceci. En fait, il y avait une route qu'on ignorait l'existence qui passait juste ici, juste où on est en ce moment, avant. Ce qui explique les couches très compactes, avec peu de matériel qu'on retrouve. Quand c'est du matériel du 19e siècle. Donc c'est ça, c'est une carte qui représente ça, le 19e siècle à Drummondville. Donc on est encore à des contextes très récents. Donc ça s'est vraiment construit énormément sur le dessus, là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de sédiments. Mais aussi, bon, le fait qu'il y a eu énormément de construction, qu'il y a eu l'établissement d'une route, ça peut aussi indiquer que ces contextes-là, qui sont normalement plus creux, les contextes de la fondation de Drummondville, ont probablement été aussi perturbés. C'est vraiment avec la rétro-excavatrice qu'on va pouvoir confirmer ou non la présence de ces contextes-là, de ce site archéologique-là, et si ce site est en état ou s'il est complètement bouleversé, malheureusement. Commencer par celui-là là-bas. Tu vois, là, il y a du bois brûlé. Continue. C'est ça que t'avais vu? C'est une espèce de morceau de métal avec de la peinture dessus. Voici, il y aurait eu une couche pré-contact, on l'aurait vu au fond. Dans les niveaux où on était plus profond, là, mais il n'y avait rien. C'était des couches vraiment naturelles, de dépôts naturels. On est vraiment dans le sol naturel. Là, je l'ai fait arrêter, parce que ça sert à rien. Ah oui, on est là, dans le naturel, naturel. Ouais. Ah, 2 mètres 30 de profond, là. 2 mètres 30, wow! Thank you.
Donc voilà, ce fut le dernier, ton remblai. Je trouve que c'est l'archéologie fait partie du développement d'une ville. Je pense qu'il faut inclure l'archéologie, la culture, l'histoire, tout ça, ça vient un tout. Puis ça fait aussi une belle image d'une ville. Et puis ça permet aux citoyens aussi de s'accrocher un peu à, ou de se mettre vraiment les pieds dans la ville puis dans le territoire, puis comprendre mieux le territoire. Donc, moi, je trouve que c'est un lieu magnifique, là, le parc Woodyatt. C'est vraiment quelque chose de très beau. Il s'est passé plein de choses ici à travers le temps. Donc, on parle presque de 5000 ou 6000 ans d'occupation aux alentours de, ben, dans Drummondville, mais aux alentours de Drummondville aussi. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Puis, je pense que c'est vraiment le lieu ici pour mettre en valeur là, toutes ces choses-là. Alors, si je parlais à un Drummondvillois, de l'importance, en fait, de faire de l'archéologie, parce que je suis archéologue, ou de l'importance de connaître son histoire, ben, je dirais que c'est un beau bagage. C'est une belle valise dans laquelle on a plein d'idées que, aussi, chaque personne peut interpréter selon son passé. Puis, c'est des belles histoires à raconter à nos enfants, pour le futur aussi, d'être capable de dire, ben, tu sais, à cet endroit-là, avant, moi, je venais quand j'étais petit, puis je pêchais avec mon père, ou bien je venais me baigner, il y a une piscine actuellement. Est-ce que dans 30 ans, 50 ans, la piscine va être encore là, à cet endroit-là où on fait les fouilles? Mais donc, c'est quand même des images qu'on amène avec le temps, puis qu'on est capable de donner au prochain. Donc, je pense que ça fait partie de la vie des humains, là, de connaître son passé, puis d'être capable de le raconter aux générations qui s'en viennent.